Shiur Lunishmat Zari Bat Zarda Ve'Avraham Rabbi Yehuda Ben Tuva Baya Rav Sadia Ben Chanina Chana Charlie Shlomo Ben Miriam Shaul Ben Sarah Fua Shlema Rav Moshe Ben Zari Anyana Chaya Bat Rosin Ruchama Rabbi Chia Ben Aisha Noai Beir Ben Mazal Rivka Bat Raizel Rav Gad Ben Esther Nisim Rifael Ben Natani Rivka Jackie Ben Aida Shaul Ben Sarah Avraham Albert Ben Michal Zohara Michlin Chaya Esther Bat Chana Betor Shacholam Israël. On finit le Klal Bet avec le Chafetz Chaim. Voilà qu'il y a quelqu'un qui t'a parlé devant une assemblée, il y avait trois personnes, son Essek, son Misrar, son business, que il s'est basé de varim, Asher Bistama, Asur Acharkar, les galotes, les Acher, Pen Yochal, et Agalo, Allié des Ezek, Otsa. C'est-à-dire que lui, il a trouvé un super système. Il vend les masques. Ouais, il a trouvé des masques pas chers, il vend les masques, c'est le virus. Il te parle de son business devant trois personnes. Mais t'imagines bien que si tu le répètes à des gens, ben ils vont le faire à sa place et donc il va perdre l'argent. Ah, attache Gilalo d'avarze bapet la time ken raino sheno khoshesh laze afimit galet basof. Le truc c'est que étant donné qu'il en a parlé devant tout le monde, ça veut dire qu'il n'est pas khoshesh si on en parle, parce qu'il y avait du monde. La reine moutar laze ashoma mimino le khatrila le galot la khrim kol kama shelo gila dato shu makpid alze. Tant qu'il t'a pas dit ne répète pas, tu as le droit de le répéter. Ah, chez l'eau, yarserou lesé à pratim, amouvorim lel, benyana de apetlata. Mais il ne faut pas qu'il manque des pratim, comme on a vu dans le éther de apetlata. C'est quoi le rapport avec ça et la shonara? Ah, Hazak. La shonara, ce n'est pas seulement parler du mal, c'est parler et entraîner un F7. Ça aussi, ça s'appelle la shonara. C'est-à-dire que finalement, à cause de toi, le gars, il a perdu. Si moi, je te dis, regarde, j'ai un super filon, je connais quelqu'un, il vend moitié prix. Et toi, tu vas en parler. Donc, à cause de toi, j'ai perdu. Ça aussi, c'est assourd de le dire. Tu comprends? Alors on est d'Av Samer Hamoud Bet, tout en bas, Velo Biachid Bisman Shen Beraglo Makar. On a vu dans la Mishnah que tu n'as pas le droit de sortir avec une seule chaussure. Oui. Alors on a eu deux pshatim dans Rashi, soit parce que les gens ils vont croire que tu portes la deuxième dans ta poche, soit parce que les gens ils vont se moquer de toi. Ah, Yesh Beraglo Makar. Mais si Bemet il a une maca sur son pied, Nafik il a le droit de sortir avec une chaussure. Et la chaussure il la met où? Là où il y a la maca ou là l'autre pied? Be'amina unafik. Avec lequel pied il met la chaussure? Amar Ravuna, be'otashesh bamaka. Ravuna il dit, ben le pied qui est souffrant. Le pied où il a mal, c'est là où il faut le protéger, il faut le mettre la chaussure. Alma, kasavar sandal, et shumtsar avid. Parce que lui il pense que la sandale, c'est pas fait pour marcher pour que ça soit agréable, mais c'est pour protéger. Et ben, qu'est-ce qu'il faut protéger le plus? Ben là où il y a une maka. Be'chia barav, Amar, be'otashen bamaka. Lui il dit non. C'est le pied là où il n'y a pas la maca qu'il faut mettre la chaussure. Almaka, savoir les shumtanoug avid, que la chaussure elle est là pour le tanoug, pour que ça soit agréable de marcher, pas marcher pieds nus. Vezo, shesh ba maca, makata mukhrat alia. Et l'autre qui a la maca, alors la maca elle est mukhrat que behemet, c'est pour ça qu'il a une seule chaussure. Et donc c'est pour ça qu'il ne met pas la chaussure là où il y a la maca, il met la chaussure à l'autre. Parce que c'est un shem tanoug. Et apparemment, il n'y a pas de tanoug à avoir, étant donné que quoi qu'il arrive, il aura mal au pied. Sur le pied blessé. Ve'av Rabbi Yochanan, là on attaque la sugya de comment on met les chaussures le matin. Tu sais toi comment on met les chaussures le matin, Nachon? Ben on va voir si c'est marqué ici. La sugya elle est là. Ve'av Rabbi Yochanan, savoir là aléa de Ravuna. Rabbi Yochanan il pense comme Ravuna, qu'on met la chaussure là où il y a la maca. Pourquoi? Parce que Rabbi Yochanan il pensait qu'on mettait toujours la chaussure gauche en premier. On met la chaussure gauche en premier, comme les tefilines. Toujours à gauche. On la met en premier. Pas on la lasse, on la met. D'amar les Rabbi Yochanan les Rav Shemen Baraba. Une fois Rabbi Yochanan dit à Rav Shemen Baraba, avli misanaï, donne-moi ma chaussure. Yaev le diamin, il a donné la chaussure droite. Amar les asitu maka. Il a dit maintenant que tu m'as donné la chaussure droite, étant donné que je pourrais plus mettre la chaussure gauche parce que je dois commencer par la gauche. Alors ça veut dire que je serai obligé de dire que maintenant c'est comme si que tu m'avais fait le pied droit maca, parce que je vais pouvoir mettre que le pied droit, et que le pied droit c'est celui qui a la maca. Asitu maca, tu m'as rendu le pied droit qui a un pied avec la maca, donc c'est comme Ravuna qu'on met la chaussure sur celui qui a la maca. La Gemara dit mais non, peut-être c'est l'inverse. Dilma ki chiabarav, peut-être qu'il pense comme chiabarav, si vous allez vers Gamar, si tu touches le small maca, tu m'as rendu maintenant le pied gauche maca, parce que je vais être obligé de mettre que la chaussure droite. Et qu'est-ce qui se passe quand j'ai qu'une seule chaussure? C'est parce que le pied gauche il est blessé. Donc en deux mots, de là, on ne voit pas que Rabbi Yochanan ne pense ni comme Ravuna ni comme Chiabarav. Néanmoins, qu'est-ce qu'on voit? Ça c'est sûr. On voit que, étant donné qu'il devait commencer par la chaussure gauche,
Une fois qu'il a mis la chaussure droite, il peut plus mettre la gauche. Tu entends ça? C'est-à-dire que tu t'es trompé, tu n'as pas mis la bonne chaussure, Rabbi Yochanan, tu peux plus mettre la gauche. Il faut enlever maintenant. Il faut recommencer à zéro. Comme l'histoire avec le soldat et les hélicoptères. Tu te rappelles cette histoire? Qu'il avait mis mal les chaussures et il a été obligé de redéfaire toutes ses chaussures. C'est des chaussures avec des lacets, des Rangers compliqués. Et à cause de ça, il est arrivé en retard à l'appel. Il a été puni parce qu'il est arrivé en retard. Il n'est pas monté dans l'hélicoptère et c'est le jour où tous les hélicoptères, il y a deux hélicoptères qui se sont. Il a été sauvé. Pas que les autres, ils méritaient de mourir, Chazé Shalom. Mais lui, il a été sauvé par le secours de cette mitzvah. Vazda Rabbi Yochanan et Tahamé, Rabbi Yochanan Yival Shitato, Dama Rabbi Yochanan, Ketfilin, Kachminalin. De la manière qu'on met les tfilin sur le bras gauche, alors on met d'abord la chaussure gauche. Matfilin Bismol, Afminalin Bismol. Métiv et l'agmaradi object. Keshu Noël, Noël Shel Yamin. Arin Braïta, mais Fourechette qui dit que quand on met les chaussures, on met d'abord celle de droite. Parce que la main droite, c'est le droit, c'est toujours le plus khachouv. Au Beit HaMikdash, on avait le droit de travailler qu'avec la main droite. Le droit, c'est le khachouv. Quand on fait une bracha, c'est avec droite. La main droite. Vachar, car Noël Shel Smol, et ensuite on met la chaussure gauche. Alors comment c'est que Rabbi Yochanan disait qu'on met d'abord la chaussure gauche? Amar Rabbi Yosef, Ashta de Tanya Achi. Maintenant que tu as une braïta qui dit ainsi, d'abord la droite. Amar Rabbi Yochanan Achi. Et Rabbi Yochanan a dit d'abord la gauche. Davad Achi Yavad, Davad Achi Yavad. Tu peux faire comme tu veux. Soit comme Rabbi Yochanan, parce que Bémet, Ta'amo Mistaber. Soit comme la braïta qu'on met d'abord celle de droite. Ah, comment Rabbi Yochanan peut être relax sur une braïta? Il dit non, Rabbi Yochanan n'est pas relax sur la braïta. Alors Rachash dit, ça c'est pas une braïta qui était enseigné dans le Beit HaMidrash de Rabbi Chia et Rav Ashi. Et donc c'est pour ça que on peut être cholek. Pas que Rabbi Yochanan il a le koar d'être cholek sur une braïta ou sur une mishnah. Rabbi Chia et Rav Oshaya, pardon. Rabbi Chia et Rav Oshaya, c'est les auteurs de la braïta. Donc apparemment cette braïta elle n'est pas miyukheset. C'est pour ça qu'il y a marqué David Kemaravi, David Kemaravi. Tu peux faire comme tu veux. Néanmoins, si tu as décidé de mettre la chaussure gauche, alors tu ne peux plus mettre la chaussure droite. Il faut continuer à mettre tout le temps la chaussure droite, la chaussure gauche. C'est-à-dire que tu prends un cave et tu t'y tiens tout le temps. C'est-à-dire que si tu as décidé comme Rabbi Yochanan, tu fais tout le temps comme Rabbi Yochanan. Amarle Abaye Dilma, Rabbi Yochanan, Amatnitin, Loa Veshamia. Abaye dit, mais peut-être que la Mishnah, Rabbi Yochanan ne l'avait pas enseignée, ne l'avait pas entendue. Peut-être cette braïta, elle n'avait pas entendue. Et s'il avait entendu la braïta, elle aurait changé d'avis. Vea Veshamia, Ave Adarbe, il aurait été Roserbo. Vinami, Shamia, Ave Kasavar, Naha, Kaota Mishnah. Et même s'il a entendu, peut-être que il a dit non, même s'il avait entendu, peut-être qu'il aurait dit que la Mishnah, qu'on n'est pas poussé comme cette Mishnah, et donc c'est pour ça qu'il aurait peut-être maintenu sa position, qu'on est toujours avec la chaussure gauche. Le Gan de Vilna, il dit que En Kazavar, En Alacha Keota Mishnah. Je dois Maraken Abaye la Ravacha de Milta. Stam, il a dit ça, les Chidush Be'alma, Abaye, mais Behemet, En Kazavar de dire En Alacha Keota Mishnah. Sinon, à chaque fois qu'on va te poser une question, tu diras En Alacha Keota Mishnah. Donc le pshat il est comme j'ai dit Bechem Arachash, que apparemment le pshat c'est pas que la halakha n'est pas comme cette Mishnah Stam, c'est parce que c'était pas miyuchas à Rabbi Chia et Rabbi Oshaya. Amar Rav Nachman Bar Yitzchak, Ire Shamaim, c'est nous. Nous on est Ire Shamaim. Yotzei Deshtem, on va faire les deux. Comment on fait les deux? Arien il dit à droite, l'autre il dit à gauche. Comment on fait les deux? D'abord tu mets la droite, ensuite tu mets la gauche, tu lasses avec les lacets la chaussure gauche et ensuite à droite. Umanu Marbre de Ravina. Marbré de Ravina, elle était Ire Shamaim, il faisait toujours les deux. On avait vu ça dans Brachot, qu'il y en a qui disent Shalem Adif, il y en a qui disent que c'est Gadol Adif. Alors il prenait le Gadol avec le Shalem, il était Mevarer sur les deux. Et Riavid, comment il fait avec les chaussures? Siem de Yamina, il met la droite, mais le Qatar, il ne met pas les lacets. Mais Siem de Simala, et après il met la gauche, mais Qatar, il attache les lacets. Vadar Qatar de Yamina, et ensuite il attache les lacets de la chaussure droite. Exactement comme on fait à la Khalemase. Et néanmoins, la Gemara dit à Maravashi, Chazin allait Rav Kana de l'Okapid. Moi, j'ai vu Rav Kana qui n'était pas Makpid de faire comme ça. C'est-à-dire qu'il continuait, c'est vraiment comme pour souligner que Bémet, c'est une anaga de Ire Shamaim, ce n'est pas une obligation. Les Maasé, le Shulchan Aruch, il est oui, possède qu'on doit faire comme ça. Mais à l'époque, il n'y avait pas le Shulchan Aruch à l'époque de Rav Kana, et donc lui n'était pas Makpid de faire d'abord droite, gauche, gauche, droite. Ok. Est-ce que. Alors, sur cette Sugya qui est très intéressante. Il faut expliquer. Pourquoi Bémet? Est-ce que c'est tous les habits? Tous les habits, il faut d'abord faire avec la. Nouer le gauche. Par exemple, imaginons, j'ai des gants. Est-ce que je dois mettre d'abord le gant droit, après le gant gauche, attacher le gant gauche et après l'attacher? Ouais? Est-ce que tous les habits, c'est comme ça? Le Maharal, il dit non. Les chaussures, et surtout les sandales,
Et les tefilines, c'est pas des habits, c'est des choses qu'on accroche sur le corps. Et plus encore, il y a marqué dans le Midrash que quand Abraham Avinu a gagné la guerre, il a pas voulu profiter de l'argent que lui proposait le Meller. Et il a dit, parce que je veux pas qu'on dise, comment c'est marqué ? Là, voilà, c'est marqué dans le pasouk. C'est une gemara dans Choulin. Peut-être Amudev. Bisrach shamar Avraham lemal ki tzedek shelo ikach mimenu michut ve'atzrach naal. Avraham Avinu a dit, je prends pas de toi un centime. Michut d'un fil ve'atzrach naal jusqu'à au lacet des chaussures. Zachou ben Israël les shtei mitzvot chut shel tzitzit et la lanière des tefilin. Donc la lanière des tefilin c'est mitzrut ma. C'est le trou de lanière des chaussures. Donc c'est pour ça que de la même manière que j'attache les tefilines avec sur le bras gauche, alors j'attache les chaussures, d'avka attacher et pas mettre la chaussure en premier, la chaussure gauche. Les mains, c'est est-ce que Charles Varim Keena Alaim ou pas? C'est une marque entre le Shulchan Aruch Harav et le Arzot Achaim. Et Bémet, apparemment, on n'est pas Noeg comme ça. Pas comme le Arzot Achaim. Ok, on continue. Tanu Rabbanan, Kishu Noël, Noël Shel Yamin, Vachaka Noël Shel Smol. D'abord droite et après gauche. Kishu Choletz, Choletz Shel Smol, Vachaka Choletz Shel Yamin. Quand j'enlève les chaussures, tu enlèves d'abord la chaussure gauche. Pourquoi? Pour pas que ton pied droit il soit posé sans chaussure. Le droit, c'est toujours le plus khashuv. Donc d'abord, tu enlèves la chaussure gauche, ensuite la chaussure droite. Le Rambam et le Rif, ils sont pas masqués, ce dîn-là. Et le Shulchan Aruch Bemet, il a pas été posek. Ce dîn, Bet Yosef, il dit qu'on n'est pas Noeg, tu peux enlever celle que tu veux. Le Bach, il est Cholek, il dit non, Bemet. Il faut faire comme il y a marqué dans la Gemara. Le Bach et le Drisha, il dit que d'abord la chaussure gauche, ensuite la chaussure droite. À émettre, c'est que. On peut dire aussi une soirée inverse. C'est qu'en enlevant ma chaussure, ben, je me sens mieux. Quand j'enlève mes chaussures, mon pied, il est plus libre. Donc peut-être qu'il faut d'abord libérer le droit et ensuite le gauche. Maintenant, Keshur Rochet, quand tu te laves. Pareil. Toujours le droit en premier. Rochet Shel Yamin, Vachaka Rochet Shel Smol. D'abord le bras droit et ensuite le bras gauche. Keshu Sar, pareil quand on met une veste, quand on met un pantalon, d'abord le droit, après le gauche. Keshu Sar, quand il s'enduit avec de l'huile, Shel Yamin, Vachaka, Shel Smol. Ve'arotze la sur kol gufo, quelqu'un qui veut s'enduire tout son corps, Sar Rosho Trila, d'abord la tête, mais Peneshu Melech al kol evara, parce que c'est le roi de tous les membres. Parce que dans la tête, il y a le Sechel. Et même la Neshama, il y a marqué, on met les tefilin chez Rosh sur la tête parce qu'il y a la Neshama. Donc c'est pour ça que la tête, elle va en premier. Pourquoi on n'a pas parlé de Rechitza? Pourquoi on parle d'Afka de Sicha? Parce qu'à l'époque, ils se trempaient dans des bains. Et quand je rentre dans un bain, je rentre la tête en premier ? Non. Oui. Sauf si je plonge. Mais quand je rentre dans un bain, je rentre d'abord le pied. Donc étant donné qu'ils se rentraient d'abord le pied, alors on ne parle pas de Khritza, on parle de Sicha. Mais nous, aujourd'hui, quand on prend la douche, alors évidemment que d'abord l'eau, elle tombe en premier. Et quand je me lave, il faut d'abord se laver la tête et ensuite se laver le corps. Khanifsak. Vélo Betfilin. Donc on n'a pas le droit de sortir Shabbat avec des Tfilin. Amar Afsafra. Vélo Tema. Aliba demande Amar Shabbat l'Azman Tfilin. Ne dis pas qu'ici on est d'après le Mandamar que Shabbat on ne met pas les Tfilin. C'est une machloket anim si Bémet Shabbat on peut mettre les Tfilin ou pas. Il y en a qui pensent que oui, c'est pas qu'on peut, qu'on doit. Il y a des Tanim qui pensent que non. Et même d'après les Tanim qui pensent que non, il y a machloket Rabbi Yossi Agali et Rabbi Akiva, est-ce que c'est Assur ou c'est Réchout? En tout cas ici la Gemara dit, ne crois pas qu'on est d'après le Mandamar que Shabbat l'Azman Tfilin, que Shabbat on ne met pas les Tfilin. Et donc c'est pour ça qu'on n'a pas le droit de sortir avec. Et là, filou le mandamar Shabbat Zvan Tfilin, même d'après le mandamar qui dit que Shabbat c'est Zvan Tfilin, alors tu peux sortir avec. Non. Lo yetse, tu sors pas. Dilma teli, tu yé birchut arabim, peut-être que tu vas les porter à l'ange tarabim. C'est-à-dire que même d'après le mandamar qui pense que Shabbat on met les Tfilin, on n'est pas noué comme ça, on n'est pas bossé avec la lacha comme ça. Mais yé shtana kazé, on ne pourra pas sortir dans l'ange tarabim avec. Veika de matnela, Sefana qui enseigne ce din sur la Sefa. Vehemietse et nochayav khatat. Qu'il y a marqué dans la Mishnah, dans la Sefa de la Mishnah, si tu es sorti avec tes tefilin Shabbat, sache que tu ne seras pas chayav khatat. C'est pas de oraita. Amar, afsapra lotema, aliba de mandamar Shabbat zman tefilin. Ne dis pas que tu n'es pas chayav khatat parce que bébé, tu mets quand même une mitzvah. Parce que Shabbat zman tefilin. Et là, filou le mandamar Shabbat la zman tefilin. Mais même d'après le mandamar que Shabbat, c'est pas le moment des tefilin. Et que donc tu n'es pas mis quand même une mitzvah. Ou que d'après Rabbi Shagili, c'est carrément assourd de mettre les tefilin. Néanmoins, si tu es sorti avec Shabbat, tu ne seras pas Chayav Khatat. Et non Chayav Khatat, pourquoi? Maïtama, Derech Malbouche Abida. Toute la semaine, tu les portes comment? Comme ça? Alors ça s'appelle Malbouche.
Zederach Malbouche de sortir, de mettre les tefilines comme ça. Ah, mais c'est pas la mitzvah. Ça s'appelle pas Massoy. Ça s'appelle pas que tu as porté Shabbat. Et donc, c'est pour ça que tu seras pas tour. Velo Bekamia, Bisman Cheno Minamumre. Donc, on n'a pas le droit de sortir avec une caméa, hein, une sorte d'amulette, dans lequel il y avait des shemotes qui étaient écrits. Sirouf à Shemot, à Gdoshim, ça pouvait guérir. Ça s'appelle un lachash. Une caméa. Et donc, on n'a pas le droit de sortir avec. Quand c'est pas d'un mumché, bah, je sais pas que quand ça vient d'un mumché, c'est mouta. Amar papa lotema, adé mumché gavra, ou mumché kamia. Ne dis pas que pour pouvoir sortir avec une caméa, il faut que ça soit mumché gavra et mumché kamia. C'est quoi mumché gavra? Que l'homme qui l'a écrit, c'est un mumché. Et la caméa qu'il a autour du cou, c'est une caméa qui a déjà guéri trois fois. C'est-à-dire qu'il y a trois sortes de mumchiout, et trois sortes de chazakot donc. Est-ce que c'est un homme qui a guéri trois personnes ou bien c'est une caméa qui a guéri trois personnes? C'est pas pareil. C'est-à-dire que si Bémet, c'est un homme qui a écrit une seule fois une caméa, elle a guéri trois personnes, la caméa, elle est montrée. Il y a une caméa sur la, il y a une chazaka sur la caméa, mais pas sur l'homme. Lui, demain, il va écrire une autre caméa, peut-être ça ne marchera pas. Donc la Gemara dit, ne crois pas. L'otema des mumché gavra mumché kamea. Ne dis pas qu'il faut que le bonhomme il soit mumché, c'est-à-dire qu'il est guéri par trois fois avec trois kémotes différentes, et que sa kamea elle est guérie trois personnes différentes. Et la kevan des mumché gavra, du moment où lui il est mumché, le ritva il dit, étant donné que Akol Taloui Baroche, le bonhomme il est rassuré, il a déjà guéri trois personnes, moi je suis content qu'il m'ait écrit une kamea parce qu'il est mumché. Afalgav de lo mumché kamea, même si cette kamea n'a jamais fait ses preuves. Même si cette caméa n'a pas de chazaka. C'est la première fois que je la porte. Personne n'a jamais porté cette caméa, elle n'a jamais guéri personne. Mais lui, celui qui l'a écrit, il est mumché. Ça suffit. Daikanami, soit médaïk ainsi de la Mishnah, dektane velo be kamea bisman che eno mina mumché. Il y a marqué qu'on n'a pas le droit de sortir avec une caméa si elle ne vient pas d'un mumché. Velo katane bisman che eno mumché. On n'a pas marqué que la caméa n'est pas mumché. C'est le bonhomme qui l'a écrit qu'il faut qu'il soit mumché, pas la caméa. Shmamina. Ok. Tano Rabbanan. Alors c'est quoi? C'est quoi cette histoire de caméa d'amoumré? Un spécialiste. Ouais. Professionnel. Tano Rabbanan. Ezu kamo amoumré. C'est quoi la caméa d'amoumré? Kol sheripa veshana veshilesh. Il a guéri, reguéri et une troisième fois guéri. Donc ça, c'est caméa amoumré. Cette caméa, elle a guéri trois fois. Ah, donc cette caméa, elle marche. C'est un médicament qui marche. Parce qu'il a guéri trois fois. Ok. Echad kamia shel katav, echad kamia shel ikarim. Il y a deux sortes de kamia. Il y a une avec des shemot akdoshim qu'on écrit. Et un autre que c'est, on met des encens dedans. On met des plantes. Shel ikarim. Ça guérit aussi. Echad chole shesh bo sakana, echad chole shen bo sakana. Que ce soit quelqu'un qui était en sakana ou pas, l'homme chané. Ça s'appelle kamia mumché. Ok. Lo chez Nirfa, pas que on est obligé de parler de quelqu'un qui est déjà malade. Chez Nirfa, Rachid il explique qu'on parle de quelqu'un qui a des crises de épileptiques, c'est-à-dire qu'il tombe par terre, il tremble dans tous les sens. Et là chez lui il refait. Tu as même le droit de porter cette caméa, hein, même s'il n'est jamais été malade. Imagine. Quelqu'un, il a déjà été malade. Il a fait une crise d'épilepsie. Oui. Alors lui, il a le droit de porter la caméa, parce que bébé, on voit qu'il est malade. Mais son fils, il n'a jamais été malade. Oui, mais peut-être que son fils, il va être malade comme le père. Parce qu'on sait que c'est une maladie génétique. Ah. Est-ce qu'il a le droit, le fils aussi, de porter cette caméa? Oui. Et là, filou chez lui, il fait. Tu as le droit de porter la caméa même comme... pour prévenir, pas pour guérir, mais pour prévenir la maladie. Vekocher ou matir, tu as le droit de l'enlever et de la remettre. Afilou birchutarabim, même dans le shutarabim. C'est incroyable. On n'est pas à recherche que tu vas porter. Pourquoi? Parce que si tu l'enlèves, ben c'est sûr que tu sais que c'est Shabbat. Et donc tu vas vite la remettre avant de porter, parce que tu sais que c'est Shabbat. Et si tu ne sais pas que c'est Shabbat, alors de toute façon, ça sert à quoi qu'on t'interdise? De toute façon, tu ne sais pas que c'est Shabbat. Donc c'est pour ça qu'on te dit, kocher ou matir, afilou birchutarabim. À condition de ne pas le mettre au bracelet.
Parce que si tu le portes au bracelet, les gens ils vont croire que tu le portes stable pour faire joli. Et c'est pas joli, une caméa. C'est pas fait pour faire joli, c'est fait pour guérir. Donc c'est un problème de maritime. Ou bétaba, de ne pas la porter à la bague. Cette caméa, tu ne peux pas la porter à la bague. Il faut la porter autour du cou, comme tout le monde. Des rères malbouche et pas des rères tarchit. Veyetse, bo birchut arabim, meshou maretaïn. Meshou maretaïn, c'est un problème de maretaïn. C'est pas que c'est assour minatora. C'est un problème de maretaïn. Les gens ils vont dire, ah, tu as vu, lui, il porte son caméa comme si c'était pour faire joli. Alors que finalement, c'est pas pour faire joli, c'est pour guérir. Ben, mais toi, tu l'as mis pour guérir. Donc, il n'y a pas de problème là-dedans. Mais à cause de maretaïn, c'est assour. Mais les femmes aussi, elles mettent des colliers. Le royaume qu'on va te dire, c'est aussi pour... Mais une caméa, c'est pas un collier joli. C'est un morceau de fil avec un morceau de parchemin. Ça fait pas joli. C'est pas en or. La Gemara a dit, Ve'atania, pourtant il y a marqué, Ezeu Kamea Mumche. C'est quoi la caméa qui est d'un Mumche, qui est Mumche? Kol Shiripa Gimel Bene Adam. Il faut qu'il ait guéri trois personnes. Ke'echad. Ouais. En même temps, c'est quoi Ke'echad? C'est-à-dire qu'il a guéri trois personnes, et Minastam, Rachid dit que ces trois personnes, elles ont trois maladies différentes. Donc je comprends pas. Toi, tu m'as dit qu'il faut guérir, il guérit trois fois, apparemment la même maladie. Et là, ici, que c'est trois maladies différentes. Elle m'a dit oui. Lokashia. Alimchouye Gavra, Alimchouye Kamia. Ça dépend. Sur quoi tu veux donner l'attestation de. Certifier la caméa ou le bonhomme. Si c'est le bonhomme, alors il faut qu'il ait guéri trois personnes. Mais si c'est la caméa, alors il faut qu'il ait guéri trois fois la même maladie pour que cette caméa elle soit certifiée. Mais si c'est trois bonhommes, alors c'est pour donner la certification au monsieur qui soit Mumché, un gavra mumché. Mais si c'est pour la caméa mumché, alors c'est la première braïta qui dit qu'il a guéri trois fois. Amar papa, pshitali. Rapapa, il dit c'est évident. Tlat caméa, trois caméas différentes. Les tlat gavré à trois personnes différentes. Tlata zimné, trois fois, il a guéri. Donc là, ici, j'ai tout. J'ai les trois personnes différentes, donc trois maladies différentes. Donc le bonhomme, il est mumché. J'ai la caméa qui a guéri trois fois, donc la caméa elle est mumché, impeccable. Donc ça, c'est les deux à la fois. Itmaché gavra, vitmaché caméa. Le bonhomme il est mumché, il a une itmachut, comme ça on dit aussi en ivrite, et il a la caméa qui est mumché. Et si c'est un personnage normal? Attends une seconde, ta question tu la gardes. D'abord on va voir ce qu'il y a de l'agma, après tu vas voir que peut-être ça va répondre tout seul. Tlata kemiye, le tlata gavré. Trois caméas différentes à trois personnes différentes. Qui est mumché là? Trois caméas différentes à trois personnes différentes et ça marche. Qui est mumché? La caméa ou le bonhomme? Le bonhomme. Chazak. Tlat caméa les tlat à gavra. Chad zimna une seule fois. Gavra itmaché. C'est le bonhomme qui est mumché. Parce qu'il a guéri trois personnes. Caméa lo itmaché. Mais cette caméa, on ne sait pas si elle peut marcher sur un autre homme. Peut-être pas. On ne sait pas, Shitat Rashi, si quelqu'un d'autre peut l'écrire. Arrête, c'est quoi une caméa? Est-ce que ça dépend du bonhomme ou ça dépend de ce qu'il a écrit? Rashi dit, si la caméa, elle a prouvé qu'elle marche, alors tout le monde peut l'écrire. Toi, soit il est cholek. Il dit non, cette caméa, elle pourra guérir quelqu'un d'autre. Mais jamais quelqu'un d'autre pourra l'écrire. C'est ce bonhomme-là qui a écrit cette caméa et c'est lui qui a su avoir la bonne kavana pour que ça marche. Donc on a une marloquette Rashi et Tosfot. Est-ce qu'une caméa qui a une mumchiut, elle peut être écrite par quelqu'un d'autre, Shitat Rashi ou pas, Shitat Tosfot? Ici, étant donné qu'il a guéri trois personnes, une seule fois, lui il a itmachut mais pas la caméa. L'inverse, Chat Kamea et Tlata Gavre. La même caméa, elle a guéri trois personnes. Qui est-ce qui est mumché ici? La même caméa, elle a guéri trois personnes. Qui est mumché? Caméa. Itmaché Gavra, Kamea Itmaché, la Kamea Itmaché, Gavra lo Itmaché, par contre la Kamea. Ok, donc tu as compris. Donc on a ici, on a à peu près vu tous les cas de figure. Maintenant tu peux poser ta question. Si c'est un bonhomme normal, qui est le Stam, il est pas mettre une caméra, Stam il a essayé de faire une caméra, et après il a essayé de s'enrôler, ça a marché, il a réussi des milliers de fois, ça a tout marché.
Alors, des fois, c'est pas talou dans l'homme. Ah, ça peut pas marcher tout le temps comme ça, par hasard. C'est pas possible. Ça veut dire que Bémet, il est moumré. Sans le savoir, il est moumré. Il a su savoir comment écrire les Shemot Hakdoshim. Si ça a marché une fois, deux fois, sur plusieurs personnes, donc il est moumré. T'as compris ? Bah, Rav Papa. Rav Papa a posé la question. Tlata Akmiye, l'Echad Gavra. Oh, c'est là, on l'a pas vu. C'est-à-dire qu'il y a un bonhomme, il est malade. Il a eu trois maladies différentes. À chaque fois, on lui a donné une caméa, ça a marché, ça a marché, ça a marché. Alors, là, c'est sûr que c'est taloui dans le bonhomme. Mais lequel ? Le malade ou le moumré, le docteur ? Qui est-ce qui est... C'est, là, on n'a pas changé de personne. C'est la même personne qui a été malade trois fois, trois maladies différentes. Et à chaque caméa, ça a marché. Tlata kmiya l'echad gavra. Mai, maadin. Kamiya vadaï lo itmaré. La caméa, c'est sûr qu'elle ne marche pas. Parce que là, chaque caméa a guéri combien ? Une seule fois. Gavra itmaré, est-ce que c'est le docteur qui est moumré ? Odilma, allô ? Lo itmaré, le docteur n'est pas moumré. C'est le malade qui a eu de la chance. C'est le malade qui a un bon mazal. Mi amrinan, aïe, asele. Est-ce qu'on va dire le docteur il est moumré parce qu'il a guéri trois fois ? Odilma, mazale, de aïe gavra. C'est le mazal de ce bonhomme, du malade. De kame kabel katava. C'est son mazal qui est propice à recevoir, à être mekabel le ktav, d'être guéri par une kamia. La Gemara dit, t'es con, on répond pas. Tu as compris le safek ? C'est-à-dire que ce bonhomme, il a guéri trois fois de trois maladies différentes par le même sofer. C'est le sofer qui est moumré, ou bien c'est moi, c'est le malade qui est raouille à recevoir les kamia. Donc ça veut dire que ce sofer ne pourra pas guérir quelqu'un d'autre. T'es cool, la Gemara répond pas. Et bien, mettre méanienne, avec tout le problème de sortir avec une kamia autour du cou, Shabbat, c'est un problème des rabanan. Et quand même, Rambam, il a été possédé les Isso. Alors que c'est des rabanan, normalement, on devrait être possédé les Kula. Et ben, il est où ? Kmiin, yesh ben meshum gdusha, ou dilma en ben meshum gdusha. Cette caméa, il y a de la gdusha ou pas dedans ? Alors, n'oublions pas qu'il y a des shemot hakdoshim. Est-ce qu'il y a de la gdusha dedans ? Il y a le nom de Dieu. Est-ce qu'il y a de la gdusha ? Omer Asfat Emet, étant donné qu'il n'a pas été écrit les shem Hashem, comme ça il dit le Asfat Emet, alors peut-être qu'il n'y a pas de Gdusha. Odilma, il y a des psukim. Il y en a quand même de la Gdusha. Matamer, Yashoen. Les Maïcheta, la Gemara dit, Maïnafkamina. S'il y a de la Gdusha ou pas, qu'est-ce que ça change ? Ça change quoi ? Il est malé à Tsmenéumi Pien Adleka. Si c'est pour nous dire que tu vas la sauver s'il y a un incendie dans la maison. Ouais ? S'il y a de la Gdusha, tu la sauves. S'il n'y a pas de Gdusha, tu la sauves pas. C'est ça le Safek ? Tashma, à Brachot, à l'époque, les Brachot, comme un sidour, il les mettait à l'écrit. Ouais. Donc un sidour. La Kemin, la Kmea, Afal Pishen, Bainotiot, ou Minanot Arbeche Batora, Afal Pishiesh, pardon. Afal Pishiesh, Bainotiot, même s'il y a des Otiot, il y a le Shemot d'Akadosh Bochou. Ou Minanot Arbeche Batora, il y a plein de psukim de la Torah. En matzilin otan mipene adleka. On les sauve pas. On sauve un sefer Torah parce qu'il y a la gdusha dans le sefer Torah. Mais la caméra, on la sauve pas. Venisrafin bimkoman. Elles brûlent là où elles étaient. Incroyable. On les laisse brûler. Alors il y a une marquette. Où est-ce qu'on veut les sauver? Bechatzer ameurevet ou bechatzer sheena ameurevet. Lirshutarabim c'est vaday assur. Les coulées alma. Même le sefer Torah c'est assur. Parce que tu n'as pas le droit de faire un issur deoraita pour sauver un Sefer Torah. C'est pas Pikouach Nefesh. D'accord ? On parle ici Chatser Meorevet ou Chatser Shena Meorevet. Dans Rashi, apparemment, il y a les deux Girsot, parce qu'il y a un Tikkun à Girsa. Mais c'est une marque de Rishonim. Est-ce qu'on n'a pas le droit de faire un Issur Derabanan pour la Kamea ou pour le Sidour ? Chatser Shena Meorevet, mais Chatser Meorevet, ça sera moutard. Ou même dans un Chatser Meorevet, c'est Assur. De peur que tu vas le sortir dans Chatser Shena Meorevet. Ok ? Donc en deux mots, ici, c'est mes fourrages que si c'est pour le sauver, on sauve pas une Kamea. Donc c'est pas ça la Nafkamina. C'est intéressant de voir que pourquoi on ne sauve pas ? Parce qu'en fait, on n'avait pas le droit d'écrire. Le Ramban dans le Milchemet, il dit que c'est assur d'écrire Torah chez Béalpé. On n'a pas le droit d'écrire. Et tant qu'on n'avait pas le droit de l'écrire, alors c'est assur de le sauver, parce que ça a été fait Béissour. Ouais. Les Maasé, il dit aujourd'hui qu'on a le droit d'écrire Torah chez Béalpé, donc on aura le droit de sauver un Sidour. Oui ? Ou un sidour, quand c'est des psukim de la Torah, on n'a pas le droit d'écrire des psukim de la Torah par morceau. Il faut écrire un sefer Torah entier.
Mais aujourd'hui qu'on a le droit, et la sot la chame fur Torah Techa, de peur qu'on oublie, alors on aura le droit de sauver un sidour. Kach nifsak la halacha. Il y a des. Et la kamea. La kamea, machloket, est-ce que ça reste assur ou pas? Est-ce qu'aujourd'hui on a le droit d'écrire ou pas? Machloket. Machloket entre le Rambam et le Rashba et le Ramban, pardon. Et donc c'est pour ça que le Shulchan Aruch ramène les deux déotes. Que est-ce que c'est moutard ou c'est assur? Ce qui est intéressant, c'est de voir la shita de Rabbeinu Perachia. Rabbeinu Perachia, il dit, tu sais pourquoi on ne les sauve pas? Pas parce que c'était assur de l'écrire. Parce qu'on n'a pas le droit de se guérir avec la Torah. Omer Rabbeinu Perachia. Ata'am sha'assur l'irtov psukim bekameot, mipine sha'assur l'itrapot bedure Torah. Tu n'as pas le droit, la Torah, ce n'est pas fait pour te guérir. C'est un chilou la chaîne de guérir avec la Torah. En matzin otam mipine adleka kedeshie avon ayish a kotevet chamour. Celui qui a écrit ça, il a fait un issour. Tant pis pour lui. Shenikra sorfe Torah. En l'écrivant, s'il y a un incendie, tu seras obligé de le laisser brûler. Donc il a été sorfe la Torah. Parce que tu n'avais pas le droit d'écrire. C'est Chamour Beyoter ce qu'il dit. Alors néanmoins, le Rashba, dans les Tshuvot, il dit, ça dépend. Si c'est le Shemot Akdoshim, regarde la folie qu'il dit le Rashba. C'est une folie. Si tu as écrit Shemot Akdoshim, le Shem Hashem, c'est moutard de l'écrire. Ça ne s'appelle pas Divrei Torah. Le nom d'Hachem, on a le droit de se guérir avec. Ah ben, le Divrei Torah, tu n'as pas le droit de te guérir avec. Incroyable. Comme ça, il dit le Rashba. Donc, une caméa avec des psukim. Et finalement, il dit, ça dépend pourquoi tu l'as guéri. Si c'est pour te protéger de la maladie, ou bien c'est pour guérir une maladie qui existe déjà. Si c'est pour écrire une maladie qui existe déjà, le Rashba est d'accord avec le Rabbeinu Perachia, ça sourd d'écrire. Elle n'y trappe mais Divrei Torah. Mais si c'est pour protéger que la maladie arrive, comme on a vu avec la crise d'épilepsie, alors la même avec des psukim, c'est moutard, parce que ça ne s'appelle pas les trapotes, ça s'appelle une agana, et ça sera moutard donc de l'écrire. Mais les olam, avec les shemot agdoshim, c'est tout le temps moutard même de se guérir. Ok, on ferme la parenthèse de la kamea, et on attaque. Donc on ne sait pas encore c'est quoi la nafkamina. Tu me dis, yesh ben goucha, nem goucha. Quelle est la nafkamina? Alors Gemara dit, si c'est pas pour la tsule mipina et les cas, parce qu'on voit bien que c'est assur, et là, l'inan gniza. Est-ce qu'on va la mettre à la gniza, la caméa? Oui, le Shem Hashem. Tashma, ayakotev alayadot takelim. Si on avait écrit le Shem Hashem sur la anse d'un keli, vers le kreamita ou sur le montant d'un lit, yagout, tu le déchires, tu le casses, tu enlèves le Shem Hashem, vignezenu, et tu le mets à la gniza. C'est pas mechoubad pour le Shem Hashem d'être sur la anse d'un keli ou sur le lit. Donc qu'est-ce qu'on voit? Qu'on met à la gniza. Donc si déjà sur un lit on met la gniza, quand je quand c'est une caméa. Donc c'est sûr qu'on met la gniza. Donc les atsule mipinad leka, non. La sim la gniza, oui. Alors c'est quand qu'on a un safek siège bayen doucha ou pas? Et là, les kanes, bayen, bebeta qui c'est? Est-ce qu'on a le droit de rentrer aux toilettes? Avec. Siège gloucha sour, si yen gloucha mouta. Mai, yesh ben gloucha ve assir, on dit maen ben gloucha ve charé, c'est mouta shma. Velo bekamia, bisman chino mina mumche. Alors il y a marqué dans la Mishnah qu'on n'a pas le droit de sortir Shabbat avec la kamea. Si elle ne vient pas d'un moumpré, machma que si c'est un moumpré, c'est moutard. Pourtant, quand il sort dans la rue, peut-être qu'il va être obligé d'aller aux toilettes. Et quand il va aller aux toilettes, il va être obligé de l'enlever s'il y a une gdoucha. Si on n'a pas été recherché qu'il va l'enlever, qu'il va la porter pour aller aux toilettes, si même qu'il l'enlèvera pas, si on t'a permis de sortir avec, ça veut dire qu'on n'est pas recherché que tu vas la porter. Ah, mina moumpré, nafik, quand c'est du moumpré, tu sors avec. Viens, mred kamia, yesh ben michum gdoucha. Si tu peux mettre que dans la kamia, il y a la gdoucha. Zimnin de mitzitar krebeta qui sait, des fois il va être obligé d'aller aux toilettes. Vatelia tuninuar, Bahamadur Shtarbim, il va porter. Si on n'est pas recherche, je ne sais pas qu'il ne va pas l'enlever. S'il ne va pas l'enlever, ça veut dire qu'il peut rentrer aux toilettes avec. S'il peut rentrer aux toilettes avec, ça veut dire qu'il n'y a pas de gdoucha. La Gemara répond non, tu n'as pas de preuve. Acha bemas, kinan be kamia shel ikarin. On parle d'une kamia qui n'a pas des shemotes. Une kamia qui est faite avec des plantes. Ah, les plantes, tu peux rentrer aux toilettes avec. La Gemara dit mais non, c'est pas bon ça. Mauvaise tria. Mauvaise pioche. Va Tania, Echad Kamia Shel Ktav, Echad Kamia Shel Ikarin. Arrête dans la Braïta, marqué mes fourrages, qu'on parle de toutes les sortes de caméot. Et là, Chabé Maskinan, Becholé, Shesbo Sakana. On parle d'un malade qui est en Sakana. Sakana Nefashot, tu peux rentrer aux toilettes avec. Puis quoi, Nefesh? La Gemara dit, faux, encore. Va Tania, Echad Cholé, Shesbo Sakana, Echad Cholé, Shesbo Sakana. On peut sortir avec une caméa, même si c'est pas une Sakana, même si c'est juste un rhume, une grippe. Or, il peut aller aux toilettes avec, et il pourra l'enlever. Parce que c'est pas sakana. Et là, qui vend des masses,
Étant donné que cette kamea, c'est mina mumche, si c'est mina mumche, ça veut dire qu'elle guérit, ça marche. Même si tu la portes dans la main, cette kamea, tu la portes pas autour du cou, tu la portes dans la main, et ben c'est moutard. Pas moutard les khatrila, mais tu n'auras pas fait une sur de waïta. Donc même s'il l'enlève pour rentrer aux toilettes, il la porte dans la main, étant donné qu'elle guérit, qui vient des massés, à falgav de nakit le biade, même s'il porte dans la main, nami shapir dame. Ça s'appelle pas un sourdoraita, c'est pour ça qu'on n'a pas été gozer. Elle m'a dit, ah, ça aussi faux. La Tania, Abushayo Mer, Bilvat Cheluyar Zenu Biado, Via Binoar Bahamod Birchtarabim. Tu as le droit de mettre ta caméra à condition que tu ne prennes pas dans la main. Donc, je ne sais pas que c'est faux ce que tu dis. Si Bémet tu prends dans la main, apparemment, ça sera Khayaf Khatat. Et là, Khabama Askinan, pourquoi on a le droit de rentrer aux toilettes? La seule caméra qu'on t'autorise de sortir avec dans la rue Shabbat, et même si tu rentres aux toilettes, c'est pas grave, que Bémet Khoupé Or, quand il y a. C'est le parchemin, on ne le voit pas. Il est méroupé, il est recouvert avec de la peau. C'est-à-dire qu'il a une petite poche dans laquelle il y a la caméa. Ça, c'est moutard. Pourquoi? Parce qu'il est méroussé. S'il est méroussé, c'est pas bisaïon de rentrer aux toilettes avec. C'est pour ça qu'il n'enlèvera pas. Mais Hashma, que s'il a un parchemin autour du cou, c'est assour. La Gemara dit pourtant, Vetania, Anichnas lebetakise choletz tfilin. Regarde les tfilin, c'est aussi méroupé or. Nahon? Les tfilin, les parachutes, elles sont dans une boîte en cuir. Pourquoi la caméa c'est moutarde de rentrer et pas les tefilines? Tu me dis que la caméa il a le droit de rentrer parce que c'est dans une boîte en cuir et les tefilines elles sont dans une boîte en cuir et tu n'as pas le droit d'entrer aux toilettes avec. Pourtant c'est comme une caméa. Mata Omer Anichnas lebet akise cholet tefilines. Tu oublies d'enlever tes tefilines quand tu rentres aux toilettes. Birirou karba amot. À 4 amot de là. Vinichnas et il rentre. Pourquoi? Arrête, c'est mechoupéor aussi. Atam, tu sais pourquoi? Meshum shin. C'est que les lettres qui sont interdites. Et sur ta boîte d'etfiline, il y a un shin. D'accord? C'est à cause de ça. Ce shin-là, alakha l'moshim sinai, c'est lui qui t'empêche de rentrer avec les tefilines aux toilettes. Damar abaye, shin shel tefilin. Le shin d'etfiline, alakha l'moshim sinai. Damar abaye, dalet shel tefilin. Le dalet qui est sur le qui est derrière. Ouais, qui cherche le tefilin, alakha l'moshim sinai. Qui est sur le bras, à la Khalam Moshe Missinai. En tout, ça fait Shin, Dalet et Yud, ça fait Shakai, le nom de Dieu. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas le droit de rentrer aux toilettes, parce qu'il y a des lettres apparentes. Machma que Bémet, s'il n'y a pas de lettres apparentes, c'est dans une boîte en cuir, comme la Kamea, c'est Moutar. Alors, on passe à Rachim maintenant.